Et salut les potes, j'espère que vous allez bien. Vidéo Dokkan Battle. Oui, la vidéo n'est pas sortie le jour même du portail parce que j'ai déjà sorti une vidéo sur Black Clover Mobile. Voilà le nouveau jeu qui est enfin dispo sur la version globale. Donc si certains d'entre vous jouent à Black Clover, les gars, n'hésitez pas à checker les quelques vidéos que je vais faire dessus. Il y en a déjà une qui est sortie pour avoir le meilleur reroll. Donc voilà, la petite info, elle est passée. On revient maintenant à nos moutons avec le portail de C21. C21 qui, voilà, plein de gens vont vous conseiller de skip. Effectivement, si vous êtes free-to-play, je pense que c'est mieux de skip. Après, moi, je suis cash player, comme vous le savez. Du coup, c'est pas un souci. On a les tickets et à voir si je mets une multi ou deux en plus si on a que de la D sur les tickets, les gars. De ton côté, en tout cas, je t'invite à mettre le pouce bleu, le commentaire et le follow. Du coup, juste... avant d'invoquer, forcément, L2, on les veut. J'ai déjà un doublon, je crois, sur Kayle, ou deux. Donc, à voir, je dis pas non, un doublon de plus. Lui, j'ai zéro doublon. Lui, pareil, j'ai très peu de doublons, je crois. Et les deux, là, par contre, 100%, voilà. C'est les deux meilleurs, mais il faut pas qu'ils tombent. Allez, on est parti, première multi, les gars. Let's go. On espère que la chance sera avec nous. Pas d'animation, ok. Go dire en commentaire, bien évidemment, si vous avez invoqué, dites-moi les drops que vous avez eu. Hein. Est-ce que ça a été rentable ou pas de sacrifier quelques DS sur ce portail à un mois des maxi portails qu'il y a à la période de Noël, les gars, Noël, Nouvel An. Vous savez que il y a un Dokkan Fest, voire double Dokkan Fest qui sort à Noël généralement, et le step-up du Nouvel An. Hein. Donc faut pas l'oublier, step-up Nouvel An qu'on peut faire trois fois, environ 600 DS, ça coûte, je pense, la totalité. Donc, il faut gérer ces DS, les refs. Première multi, 2 SSR, mais le problème, c'est qu'ils soient 100% les deux, je crois. Donc, c'est dommage, parce que c'était une belle multi-ticket, hors détecteur. Ok, Krillin C18, les gars, let's go. Allez, mon ref. Ah. Il peut y avoir une possibilité que ce soit 3 SSR, par contre. Ça, j'avoue, j'espère pas sur une multi 7 tickets, donc 7 persos. Ok, let's go. C'est le hors dé... c'est le... Oui, si, c'est pas le Dokkan Fest, c'est le hors détecteur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on est d'accord, attends. Parce que elle, c'est la deuxième perso du détecteur. Du coup, c'est pas le Dokkan Fest principal. Hein. Ils ont pas mis deux Dokkan Fest, quand même. Je crois que je vérifie après, quand même. Ça, il n'y a pas eu l'animation Dokkan Fest, donc c'est sûr. Et un Coolizer. Bon, ça fait plaisir. On a déjà... une des deux nouvelles. On va vite voir le passif, l'actif. Ouais, 130%, c'est bon, c'est pas du tout un Dokkan Fest. Allez, multi suivante. Plus que 3 multi-tickets. Allez, le jeu. Ah! Pourquoi y a Trunks? Oh, Walida! Let's go, les gars, détecteur. Le détecteur tombé de nulle part. Pas de SSJ God. Imaginez, c'est la C21 qui tombe. Oh non! J'ai parlé trop vite, non! Ça fait le deuxième doublon en trop que j'ai là. Ça fait mal. Le gamin perso qui est tellement fort et que je ne veux plus du coup parce qu'il est déjà à plus que 100%. C'est vraiment dommage. Et... oh, je l'avais pas, je crois. Attends. Lui, je l'avais pas quand le portail de Thalès est sorti. À vérifier. Ah si, je l'avais. C'est l'autre que j'ai pas, alors. Bon, dommage, hein. Un Dokkan Fest inutile. Allez, plus que deux multi. Allez, le jeu, régale-nous. Krillin. Allez. Krillin, tu peux régaler, tu le sais que t'es au courant. Toi, en plus, t'es assez proche des cyborgs, Krillin, voilà. Hein. J'ai pas balancé des dossiers, mais voilà. Tu peux nous régaler sur la multi, s'il te plaît. Voilà, paf paf en plus. Il peut nous régaler, les gars, Krillin. Allez, frérot, c'est maintenant. C'est maintenant la C21. S'il te plaît, frérot. Let's go. C'est un doublon que j'avais pas. Premier doublon pour le duo C17, donc Super C17 après. Oh, premier doublon également pour la transformation mauvaise. Let's go. Oh non, j'ai cru. Oh la feinte.
Oh la feinte! Oh les bâtards! Oh! Incroyable! Cette multi, elle est incroyable, mais je me suis fait troll! Je me suis fait troll, les refs, ouais, je l'ai déjà. Après, je sais pas si elle a 100% ou pas, mais oh le troll ultime! En tout cas, c'est une super belle multi en lien avec le portail, du coup, hein, pour le coup. La proba que ça tombe sur elle, quoi. Allez, la dernière multi-ticket. Ah, pas de Walida, c'est dommage. Ouais, on va se faire une multi ou deux avec les DS quand même. Hein. J'ai bien peur. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait une petite faille qui tombe ou un Whis ou ce que tu veux, tu vois. Comme ça, ça me le garantit. C'est bon, on n'en parle plus. Si jamais le dernier pack de tickets, parce qu'il y en a encore un hein, qui est possible dans la boutique, les gars, on verra. Mais en live, on se mettra des petits défis, comme j'aime bien faire avec vous, les gars, des défis en live. Et si on atteint les défis, souvent, c'est des défis genre de follow ou des petits subs à atteindre sur une semaine. Eh bien, je ferai péter le pack, le dernier pack de tickets, les gars. Donc, n'hésitez pas à venir sur les lives. Allez, bon, on va tenter notre chance pour avoir cette C21 qui est juste à l'opposé de moi, là, sur l'écran, là. Let's go! Vous aimez bien quand je mets les petits artworks des persos comme ça sur l'écran ou pas? Dites-moi la famille. Allez, on commence bien en plus. Allez, Zeno! Je les colle! Je les colle, mais non, c'est abusé! C'est abusé, les gars! Une multi, bon, il y avait les tickets, mais une multi et on s'en va! Oh là là, c'est incroyable! C'est une dinguerie, les gars! Oh, le portail, c'est bon. Je l'ai souillé, le portail. Bien sûr que je l'ai souillé. Regardez ce qu'on a en bonus. Je l'ai souillé, le portail. Oh, la dinguerie. C'est abusé. Allez, elle arrive quand? Oh, elle va être à la fin. Elle est là, let's go! La C21 normale. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, une multi comme ça, les gars, c'est tout ce qu'on rêve. Imaginez, là, le SSR de la fin, c'est un Dokkan Fest. Ouais, non, elle s'élit pas. Bon, en tout cas, les gars, ben, c'est bon, on a le portail entier, du coup. On a le portail en entier, dont un doublon sur la C21 Maléfique, les gars. C'est parfait, on verra, hein, pour peut-être les tester, du coup. Comme ça, je vous sortirai un petit showcase. Et voilà, et eux, ça fait trop plaisir. Faut que je regarde en deux spies, par contre. Et voilà, j'avais 0 doublons, j'avais 2 doublons. Très, 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 très cool. Et après, lui, deuxième doublon pour ce monsieur. Je crois que c'est le meilleur en plus des deux duos pour Thalès. Donc en vrai, c'est full gavage. Voilà la team. Ils ont enlevé la musique de DBGT, ça a fait plaisir ça aussi. Ça a cassé les oreilles à force, même si c'est le meilleur opening, les gars, on est d'accord. Mais à la longue, c'était un peu dur. Ben moi, les gars, je m'arrête là pour les invocations. Du coup, tout est dans la boîte. J'espère que de votre côté, vous vous êtes régalé si vous avez invoqué et que vous avez un stock suffisant pour la fin du mois. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous, la team. Portez-vous bien et on se voit très vite pour du Dokkan et du Black Clover parce que ça va prendre de la place aussi sur la chaîne. Bye bye.